ministère de l'Intérieur égyptien a revu à la hausse le bilan de l'attaque meurtrière qui a visé la police hier dans la péninsule du Sinaï, précisant que 15 policiers ont été tués dans l'assaut revendiqué par le groupe terroriste Daesh. Un premier bilan donné hier faisait état de la mort de 13 policiers au poste de contrôle près de l'Arish, chef-lieu du Nord Sinaï. 3 officiers font partie des victimes. Il s'agit de l'attaque la plus meurtrière depuis plusieurs mois dans le Sinaï. 5 assaillants ont également été tués dans des accrochages qui ont eu lieu après l'attaque près du point de contrôle. Le chef de la diplomatie, Samer Chokri, est arrivé tôt ce matin à Khartoum pour une visite officielle au Soudan, destinée aux examens des sujets d'intérêt commun et les derniers développements sur la scène internationale. Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, le conseiller Ahmed Abouzeid, a déclaré que M. Chokri doit délivrer un message du président Abdel Fattah Sissi à son homologue soudanais Omar al-Bashir. Le message porte notamment sur les relations entre les deux pays. Préparation pour la réunion du Haut Comité conjoint qui doit se tenir en Égypte prochainement, ainsi que la coordination des positions entre les deux pays sur les sujets régionaux et internationaux. Un incendie a ravagé la maison de l'unique témoin de l'incendie criminel de Douma.